Salut tout le monde. Bon, j'ai pas mon micro, j'ai pas mon setup habituel puisque je ne suis pas chez moi. Donc il y a des gens qui peuvent se dire, Evie nous cache des choses. Bon, il y en a qui m'ont déjà cramé et du coup c'est le moment de vous l'annoncer. Je rejoins EG, Evil Geniuses, une équipe américaine, en tant qu'assistant coach à plein temps avec, en tant que coach, Malek, l'ancien coach de G2. C'est du coup un nouveau chapitre, une nouvelle page qui se tourne. Ça fait un mois que ça se prépare. Et j'avais vraiment hâte de vous en parler et aussi de vous expliquer pourquoi bah, je suis plus très présent sur YouTube depuis un mois, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà ce qui se passe. Il se passe que je m'approche petit à petit de mon rêve que vous connaissez tous, c'est de devenir coach pro, etc. Et j'en suis vraiment super content. Donc là actuellement, on est à l'étranger, on est en train de s'entraîner avec l'équipe. Ça va être un vrai travail parce qu'il y a ce choc des cultures entre bah, la culture américaine, que ce soit au niveau du coaching, que ce soit au niveau du jeu, et la culture européenne slash française. Donc ça va prendre du temps, mais c'est vraiment déjà super intéressant. Les joueurs sont vraiment géniaux. On a déjà fait plein d'activités ensemble, etc. Bref, c'est vraiment super stylé. Et cette V2 avec Damien, cette nouvelle itération, puisqu'on avait déjà fait ça avec G2 entre 2019 et 2020 pendant 8 mois, c'est vraiment un deuxième essai. Et nous, de notre côté, on est vraiment confiants sur le fait que cette fois, ça va beaucoup mieux marcher que la première fois, puisque si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo qui expliquait que je me sentais pas à ma place, etc. Donc certes, évidemment, mon but, c'est d'être coach, assistant coach. C'est pas ma place finale, mais c'est important de passer par là. Et ça va me donner l'expérience nécessaire. Je vais apprendre de Damien, apprendre des joueurs, apprendre de moi-même et des événements pour mieux me construire et pour mieux préparer la suite, tout simplement. Donc ça veut dire qu'évidemment, je quitte TGJ, qui va me manquer très honnêtement, parce que bah, c'est devenu un petit peu mon équipe. Et je sens quand même qu'il y a une graine qui s'est plantée, que les joueurs restent ensemble. Il y a eu seulement un changement. Que ça évolue, donc j'ai hâte de les voir passer en Advanced. Oui, je leur mets un petit coup de pression dans cette vidéo. Et aussi gagner les OCN, gagner les Number One. Bon, j'arrête. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça va être à plein temps avec EG. Je vais être beaucoup à l'étranger, parfois chez moi. Je serai pas toujours en match avec eux, en tournoi, pardon, quand on sera sur place et en local. Et j'espère que ce sera le cas le plus souvent et qu'on va pas avoir une année Covidé. Et du coup, bah, ça aborde un sujet qui vous concerne. On en avait déjà parlé à l'époque, la suite sur YouTube. Ça va être très différent puisque à l'époque, avec G2, j'étais pas en full time. J'étais en trois quarts time, si vous voulez. Ce qui veut dire que j'avais le temps de faire des vidéos. J'avais vraiment pas mal de temps pour en faire. Aujourd'hui, je suis pas chez moi. C'est pas pratique de faire des vidéos. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, mais j'ai moins de temps et moins de possibilités. Ce qui veut dire que pour l'instant, pour les vidéos YouTube, je sais pas comment ça va se passer. J'aimerais, et donnez-moi votre avis, faire des petits formats de temps en temps, des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, avec un petit truc que j'ai trouvé sympa, un petit conseil, etc. Mais j'ai peur que ça fasse fourre-tout et que ce soit pas ce que vous attendez. Parce que les premières vidéos, c'était des vraies vidéos tuto et on s'en est éloigné petit à petit. Je m'en suis rendu compte que dernièrement, où en fait, je faisais maintenant que des vidéos analyse pro, immersion, analyse pro, immersion. Et très peu de tutos. Au final, le dernier tuto que j'ai fait sur CS, c'était, bon, mis à part le roi de la banane, c'était il y a un an. À part la grosse vidéo qu'on a fait sur le mental, vous êtes bridé, qui était vraiment énorme. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des choses en mode un petit peu guide et tuto. Donc pour ça, je connais pas quelle est la suite sur YouTube. Il y a encore plein de choses que j'aimerais vous partager, vous apprendre. Évidemment, il y a la formation, et pour ça, vous êtes plus de 1500, donc merci pour ça, évidemment. C'est complètement dingue. Je sais pas exactement quelle est la suite, donc si vous avez des idées, des choses à dire, etc., vous me le dites. Et évidemment, comme d'habitude, vous le savez, je lirai vos commentaires. Je pense aussi peut-être à avoir un monteur, genre un joueur du subtop qui sait monter et qui pourrait peut-être m'aider à monter les vidéos. Comme ça, j'ai juste à, par exemple, écrire mon texte et à faire ma voix. Et lui, il pose des images sur ce que je dis. Il reste des possibilités et ça donnerait d'ailleurs l'occasion bah, à quelqu'un du subtop de gagner de l'argent régulièrement puisque je le paierais. Bref, pour ça, je ne sais pas encore ce qui est prévu. Par contre, ce qui est prévu très prochainement, j'ai une petite annonce. Il y a un truc que je veux faire depuis très longtemps et que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai créé un serveur communautaire public sur CSGO avec des maps fun slash aim, 2 000 $ pool party. Ce sont des maps qui sont complètement iconiques dans CS et j'avais vraiment envie de faire ça. L'IP, elle est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller après, à la mettre en favori, etc. Parce que bah, moi, je passerai sur le serveur, il y aura des gens de la communauté, et ce sera kiffant normalement de jouer dessus. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit le cas. Et en fait, si vous voulez, avec l'argent de la formation et le business model que j'ai créé, je suis capable maintenant, et c'est une super nouvelle
pour moi et peut-être pour vous, de sponsoriser certains projets, certaines équipes, etc. avec evicsgo.fr, c'est-à-dire le site qui mène à la formation. On peut appeler ça Road to Global, mais evicsgo.fr, pour l'instant, c'est le nom. Peut-être que le nom changera d'ailleurs. Si vous avez des idées, d'ailleurs, je suis preneur. Bref, il y a plein de choses qui arrivent et voilà, je ne vous ai pas beaucoup parlé de l'équipe parce que c'est que le début. Je ne sais pas quelles sont les questions que vous avez, mais sachez qu'évidemment, je suis complètement hypé. J'ai envie de continuer à être présent sur la scène française. Est-ce que ce sera possible et à quel point? Ça, on le verra, mais sachez que je vous remercie du fond du cœur de me suivre depuis le début. Il y a à peu près 2 ans et quelques mois, ça fait déjà 2 ans, que j'ai fait ma première vidéo. Et ma première vidéo, elle avait fait 350 vues. Et je vous dis pas à quel point j'étais content d'avoir fait 350 vues. Aujourd'hui, vous êtes 30 000 à me suivre. On a fait des vidéos qui ont 350 000 vues pour le guide ultime du débutant, une centaine de milliers de vues, je crois, ou 200 000, je sais plus, pour la perspective. La fourchette est large au cas où je me trompe. Bref, il y a eu des vidéos où je suis vraiment content d'avoir bâti ça et content d'avoir eu votre feedback, d'avoir vécu ça. Et le nombre de personnes que j'ai rencontrées, je pense à Adrien Tedesco, Théo. Il y a même des gens, j'ai oublié leur prénom. Vous imaginez, genre un mec de l'armée de l'air qui se reconnaîtra peut-être et qui m'avait donné plein de conseils sur le mental. Merci pour ça et merci. C'est juste incroyable ce que je vis et j'ai toujours voulu vivre de ça, vivre ça. Donc merci à vous. Je vous le rendrai d'une certaine manière et vous me faites vraiment kiffer. Et j'espère vous faire kiffer et j'espère qu'avec IG, on va se donner. Et n'oubliez pas encore une fois, si vous voulez réussir, échouez, 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 échouez. Parce que c'est la base et c'est la racine de la réussite. Si vous avez de la résilience, de la pensée critique. Si vous pouvez vous faire accompagner, faites-vous accompagner, cultivez votre discipline, etc., etc. Toutes ces choses-là dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo quand j'ai rejoint G2. Je ne vais pas en reparler à nouveau pour pas que ça se répète. Mais voilà, vous commencez à connaître ces valeurs dont je vous parle assez souvent, que ce soit dans mes lives ou dans certaines vidéos. Donc merci à tous. Et puis à la prochaine. Bye bye.